Hello. It's really nice to be here. It's our first time in the States. I don't know if you heard, but we sing in French. So the next song is, you know, it's all French now. The next song is titled Aujourd'hui je dis bonjour à la vie, which means sacram. Okay. Didn't expect that, really. Le 3 octobre 1978, nous sommes au Starwood Club de Los Angeles. Toujours pour l'amour qu'on devient fou. Ça doit être plein d'amour parce que c'est plein de fou tout partout. Comme si on avait tous peur de se dire. Le groupe Harmonium, 6 hommes et une femme, se produit pour la première fois aux États-Unis. Comme un sage, monte dans les nuages, monte un étage, et voit le paysage. Comme un sage, monte dans les En 1972, Serge Fiori et 2 autres musiciens enregistre un album intitulé Harmonium. Il s'en vend 125 000 copies. Le groupe passe ensuite de 3 à 5 et finalement à 7 membres. Leur popularité s'accroît à travers le Canada. Leurs disques se vendent mieux que ceux de plusieurs superstars américaines. Mais aux États-Unis, ils sont encore inconnus. Jusqu'ici, le plus grand marché de musique au monde leur est resté fermé. Par ce voyage, ils espèrent remédier à la situation et faire ce qu'aucun groupe québécois n'a encore réussi, devenir des stars internationales. Paul, why was it decided to send Harmonium to California? First, because I think the California people could relate more to Harmonium than the people from Alabama. We're maybe the most important band in Canada, and we're French. We're not selling politics, but we are from here, and we like the people to know it. You know, for me, the politics situation in Quebec is cultural. It started there, so it goes together, you know. You feel it's possible for a group to sing in French and succeed? We'll see, but I have already seen that in Toronto and in Vancouver and in Kingston, that the people, for sure, sometimes are disappointed because they don't really understand all the lyrics, but they get the feeling, they get the vibe. And I always say to the people, you know, I've been listening to Harmonium for 5 years and I don't know the lyrics by heart. I don't listen to the lyrics. I receive the vibe and I go with it. Harmonium n'arrive pas seul à San Francisco. Le gouvernement québécois cherche à se faire des amis à l'extérieur du Canada. Et dans une situation où la politique et la culture sont si étroitement liées, pouvait-on trouver meilleurs ambassadeurs que les artistes québécois? Les gens de San Francisco, et plus important encore la presse américaine, ne seraient sûrement pas accourus uniquement pour entendre des discours sur la situation politique d'une obscure province canadienne. Pour attirer leur attention, on envoyait un groupe d'acteurs, de cinéastes et de musiciens qui devaient faire valoir la culture québécoise. Some music from Harmonium. They'll be at Zellerbach Auditorium this Friday night at 8:30 as part of the Quebec Cultural Festival. About how long you usually play? It's 2 hours and 15 minutes. Yeah, 2 hours. Yeah. Do you plan it all out before you get on? Yeah. we need to know. Quelques heures après son arrivée en Californie, le groupe est dans les studios de la station radiophonique KALX. I was wondering, are there any other groups in Quebec that are doing anything similar to what you are, or are you kind of in the forefront? Well, that's the thing with Quebec. It's like it maybe it evolved like maybe 5 or 6 years ago. It's a big cultural thing that happened. And every group that emerged from that are very different from one to the other. And I think that people from Montreal are hoping for that. I mean, you can't, a group that would
There's a couple of groups that try to maybe sound like us or something, and it just doesn't work. Yeah, we're gonna hear one more track. Harmonium fait lui-même sa promotion sur les ondes de la station de Berkeley. Et San Francisco peut entendre pour la première fois la musique du groupe québécois. Pendant ce temps, sur le campus, une autre sorte de promotion vient de commencer. Le premier ministre René Lévesque s'adresse aux représentants de la presse. Stable. Je veux dire, la situation d'ensemble partout est assez incertaine, mais chez nous, c'est loin d'être moins bon qu'ailleurs. Est-ce que plus vous éloignez du Québec, vous trouvez un désintérêt ou peut-être aussi souvent, oui, moins de tension, puis les esprits plus ouverts, parce que plus tu es proche, plus tu as de tension, oui. Puis parfois plus c'est... Je pense plus au corps du sujet. Il y a d'angoisse aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un désintérêt? L'auditorium Zellerbach, en plein cœur du campus de Berkeley, doit être le point central de la semaine culturelle du Québec. C'est Harmonium qui donnera le spectacle d'ouverture. Au Québec, ce sont les étudiants des cégeps et des universités qui constituent la majeure partie de leur public. Les musiciens ont donc décidé que pour percer sur le marché américain, le mieux serait de se produire en milieu étudiant. Un concert sur le prestigieux campus de Berkeley constitue un excellent point de départ. Harmonium passe l'après-midi à mousser la vente de ses disques dans un magasin de San Francisco. C'est un des très rares disquaires américains à posséder leurs albums. Chez nous, ils n'ont pas eu à faire ce genre de sollicitation depuis plusieurs années. Mais ils savent qu'ici, c'est une étape nécessaire s'ils désirent percer. Ils n'attirent peut-être pas des foules monstres, mais à la fin de l'après-midi, toutes les copies de leur dernier album double, Leptade, ont quand même été vendues. Do you think it's important for a Quebec group to make it big outside of Quebec? Well, of course, because first of all, the market here is too small. Nobody can live here, so you have to go out, you know. And everybody has had a lot of problems going out, had to invest a lot of money, and nothing never came out of that. Now, maybe with this group, you know, that has put together a very good organization, maybe we can reach out. I mean, it's, you know, it's a basic principle. We have to go out. We can't, or else we're going to die here, you know. Mm-hmm. And we have to also, we have to tell others that it's a very active community. There are a lot of things culturally that are happening, and we just can't keep it to ourselves. We have to tell others, and others have to be conscious of that, you know. Mm-hmm. We take enough of everybody else's culture. It's a time that there is an exchange, you know, between, you know, us, America, Europe, whatever. There's just the problem of the language. I don't think they could make it in French, because even if the kids don't hear the words usually in rock, they still, you have to talk in the same language. I mean, it's a very elementary principle of communication, you know. Mm-hmm. And so if they would do it in English, then I think there would be no problem. Just market them well, maybe play on the fact that they come from Quebec. And I mean, we've sold Lévesque to the Americans. Why couldn't we sell Harmonium? Mais tout porte à croire que, du moins à Berkeley, la langue ne constituera pas un problème majeur. Il y a ici un public de connaisseurs, réceptifs à la bonne musique, quelle qu'en soit l'origine. Les billets se vendent bien et la salle sera probablement remplie à pleine capacité. Tout semble indiquer que le concert sera un succès. Mais voilà qu'arrive la mauvaise nouvelle. Le camion transportant l'équipement et tous les instruments du groupe s'est perdu quelque part en route. Il ne pourra pas être là à temps. Le concert doit être annulé. We're taking Harmonium to Los Angeles next week. They're good. They're excellent. Erratic artists. I mean, but the instruments are somewhere in Salt Lake City. Yeah, probably Baritone. But we'll make up for it in Los Angeles. We'll showcase them at least two nights. I think they deserve it. Absolutely. Ça arrive quand vos mots d'instruments? C'est pour l'arrivée au milieu de cette nuit, on est. On comprend. Demain, vous êtes à Belmont. Ouais, peut-être qu'on pourra pas vous suivre. S'il arrive, tu sais. À deux heures. Voir ce que ça donne. Nous autres, on n'entend rien que ça. Je veux dire, il y avait tellement de motivation et tellement de. Moi, je pense que vous devriez être bon aux États-Unis aussi. Vous êtes bon un peu partout au Canada. Est-ce que oui? C'était bien. Rattrapez-vous, il reste quelques jours. Sur l'affaire, on essaie de trouver un moyen de peut-être mettre ça une semaine.
finir la semaine. Dans le cadre de la semaine culturelle, la semaine prochaine. Oui. Peut-être qu'il y a moyen d'arranger ça. Il faut absolument faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Ah, alors, je sais pas. Où est-ce qu'ils sont les autres? Ils sont dans la chambre d'hôtel, puis ici. Là, ça lui lève le port. Je suis venu ici il y a deux jours pour un show d'harmonium à Berkeley. Je trouve que c'est essentiel que vous jouiez ça avant de partir. Ne serait-ce dans le bar de l'hôtel, dans un club rock, sur Télégraphe, au Zillerback Hall, je pense qu'il faut qu'on joue ça. Je veux dire, je considère que avec les entrevues que vous avez faites, avec la promotion que vous avez faite, avec l'énergie que les gens du gouvernement ont mis, avec M. Lévesque qui s'est présenté ici, que quelles que soient les circonstances qu'on joue, c'est qu'avant qu'on parte, qu'on joue ici. Non, d'accord, mais c'est important le genre de salle qu'on fait aussi. Oh, ouais. Je veux dire, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas juste l'idée de jouer une place. C'est pas juste ça, non. On peut se retrouver dans n'importe quel club. C'est l'idée de jouer, mais de jouer comme il faut, dans des conditions, puis une atmosphère qui se rapproche à l'idée originale. Faut mettre de notre côté. Aussi. À mesure que la déception d'avoir raté le premier concert s'intensifie, le groupe a de la difficulté à garder son enthousiasme. Le gouvernement québécois les a payés pour venir ici représenter le Québec, et cet échec initial est beaucoup plus important pour eux que tous les avantages personnels et monétaires qu'ils peuvent encore tirer de ce voyage. Paul Hébert, leur manager, doit leur remonter le moral et les convaincre que cet empêchement ne veut pas nécessairement dire que tout le voyage sera un désastre. Ça, je veux dire, mis à part le côté politique, au niveau culturel, il y a du monde qui voulait savoir qu'est-ce qu'on était. Puis je pense que, moi, je trouve important qu'on leur montre. On devrait continuer notre chemin. On a un truck qui marche, un nouveau chauffeur de truck. On va aller jouer au Starwood. Je suis sûr, ça va être un calice de bon show. Puis demain, on part pour Los Angeles. Vous autres, demain, vous partez à Los Angeles, vous faites le Starwood, parce que pour vous autres, ça va être un réchauffement. Un 2-7 par soir, ça va vous mettre en forme. Vous allez arriver ici pour renverser Berkeley à l'envers. Los Angeles, seulement 500 000 au sud de San Francisco. Mais la mentalité est très différente. Nous sommes ici au royaume d'Hollywood et du matraquage publicitaire. Ici, au Starwood, Harmonium ne jouera pas devant le public sophistiqué des collèges. La foule de ce soir est habituée au groupe de punk rock que présente généralement le club. Le camion est arrivé avec l'équipement d'un demi-million de dollars dont le groupe a besoin quand il donne chez lui ses grands concerts en plein air devant des foules de plus de 300 000 personnes. Mais le Starwood ne contient que 700 personnes. La scène est petite, le pouvoir électrique limité. Une grande partie de l'équipement doit rester dans le camion. Pour leur premier concert aux États-Unis, la situation n'est pas idéale. Ce spectacle à Los Angeles est peut-être une erreur. Si Harmonium rate son coup ici, le voyage en Californie tournera mal et le groupe risque de ne pas réussir à percer sur le marché américain. Mais au moins, les musiciens ont retrouvé leurs instruments. Pendant qu'on prépare la scène, ils commencent à jouer. Après une semaine de tension, ils peuvent, pour la première fois, répéter et, au moins pour quelques heures, se détendre. David, were you surprised by the whole thing, all the equipment, the people and everything that landed on your doorstep last night? This was a shock to me. Yes, normally the acts that play this type of a venue do not come in with semis full of equipment and sound equipment. How do you feel your customers are going to cope with a different language? Music is a universal language, and our audience will listen to the music. And if the music is there, the language really does not make a difference. Especially, I think, listening to the sound check a little bit of the music, especially with this kind of music. I think that the music can speak for itself. The basic trick to playing the club is to be good musicians. Okay, Abdoum called Viens danser, which means come and dance. Not really. It doesn't mean that, but that's the title. Et ton vieux, un soir on se regarde dans les yeux. Un soir on prend un bon coup, toi et deux. On trouve nos vieilles nuits magiques.
Parce qu'il n'y a plus de musique qui est pas faite en plastique, comme un ballon qui tourne toujours en rond. On attend la fin du show. Je pense qu'ils ont trouvé ce coup-là à faire sauter. Mais comme il reste plus d'effets spéciaux, ils ont fait sauter le chanteur. Mais moi je l'ai manqué. Je regarde à un haut-parleur. Il est tellement gros, tellement plus gros que son cœur, madame. Ancienne relique, tous mes rêves sont tombés du balcon dans une cathédrale en carton. C'est un vieux rituel avec un tout nouveau cœur artificiel. J'ai tellement mal, il fait tellement frais, même avec nos 20 000 allumettes. Chacun est ainsi tout seul sur son île, les bras ouverts, le cœur fragile. La musique s'en fout, elle avait un autre rendez-vous.
Ouais. Very good. Ben, ça a fait, tu sais. C'est fun. Content? Ah, ben, ben content. I'm sure now that, you know, a lot of things can happen with these people. It's just, you know, it's a question of being yourself. Now, we didn't do any funny compromise or anything. Yeah. It's just... Je suis bien avec toi. Oh, c'est spécial. C'est spécial. On a arraché pour venir jusqu'ici, là. Puis, enfin, tu sais, il y a de la musique qui se passe, puis... Ben, ben, beau. It was just totally great. It was fantastic. I enjoyed it tremendously. I did not understand the wording, but it didn't matter. It would be nice to hear a song in English, but otherwise it was really nice. As far as, like, you know, the music industry is concerned, it's going to be a big problem. Everybody's going to say, you know, why don't they play in English? They'll never sell. Musically, I think, you know, much like a band like Genesis or Gong or like that, the people are going to listen. You know, once the music is established, the lyrics are secondary. Should I feel nationalistic or something about this group? No, because I'm an English Canadian and these are French Canadians, and I feel that their nation isn't our nation. Are they feeling like strangers in our country? It's not theirs, so. You don't feel like you're sharing a culture? I'd like to, but I think that there's such a deep crevasse between the two cultures that we're total, like, foreigners. Just I'm more American, or to them, I'm more American than French, so. This is one of the few Canadian bands that I could come and see and admit to other people in the audience that I'm Canadian. Qui c'est qui a dit qu'on pouvait pas les avoir, les Américains, man? T'sais, moi je me disais, si le monde aime ça gros comme ça, ça vaut gros de même. Okay? Parce que, premièrement, ça va pas c'est en français. Deuxièmement, c'est un club punk. Puis on vient jouer soft, là, en français. Je sais, c'est les tomates. Oui, oui, je sais. C'est pas les tomates, là, c'est la médaille. I'm dying to do the next one. Succeed anywhere. It's not. It's like it's just a question of if we can play in the U.S. the way we are. That's fine. It's like there was a couple of experimental groups from Italy that changed all their thing. That put English lyrics to their words and puis ils sont devenus nowhere. Like and the problem is there for me is that everybody sounds like everybody else. So the thing that's important for me is Quebec's culture. Yeah. And all that it involves, you know, all the, like, again, the French culture, whatever it is, cinema, music, that's, I live by that. I'm, you know, happy with that. Si ça, c'est politique, on est politique à ce moment-là. Mm-hmm. Parce qu'individuellement, on a des prises de position au niveau de ce qu'on est, d'où on vient, puis de ce qu'on veut rester finalement, oui, et où on veut aller. Mm-hmm. À ce moment-là, il y a des essences politiques au fond de nous autres. Mm-hmm. Mais il y a rien de politique à faire dans ça. Mm-hmm. Absolument pas, puis il n'y en aura jamais. Just the fact of being there with American people and singing what we are, it just showed us what we are even more. And the differences.